Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une présentation générale d'un appareil ô combien intéressant. Il s'agit du Technosystem qu'Erika Sainte m'a gracieusement prêté. Il y aura d'autres vidéos plus détaillées de certains modules très bientôt. Je vais scinder en plusieurs parties, un peu comme je l'ai fait avec les électrons. Alors, avec ce système, vous avez devant vous une super boîte à rythme modulaire, clé en main, optimisée essentiellement pour la techno, du fait de ses modules à caractère marqué et percutant. On va donc voir comment est composé ce monstre, car c'est bien une sacrée bête à laquelle nous avons affaire ici. Rapidement, il possède un module de sample orienté drum et 7 modules d'instruments percussifs. Puis vient un modulator, un séquenceur, un dual drive, un dual FX, 3 mixeurs, donc il y a le light, le mixeur normal et le stéréo mixeur, et enfin vous avez le link. Le tout est logé dans un case solide de très bonne facture que vous pouvez refermer avec les câbles branchés si vous le souhaitez. On commence en premier avec le sample drum, donc c'est un outil puissant qui permet de lire et de transformer les samples avec deux pistes disponibles. Alors je vais pas m'attarder dessus, je lui ferai une vidéo qui lui sera consacrée pour vous montrer un petit peu les différents modes. Donc bien sûr, vous pouvez en plus des samples d'usine stocker vos propres échantillons sur la carte SD que vous voyez ici. Le module possède plusieurs modes pour façonner vos samples, que ce soit le sens de lecture, la tonalité, le slicing, l'amplitude, les FX ainsi que les modes CV et performance. À l'usage et en termes de fonctionnalité, je trouve pas mal de similitudes avec l'Octatrack, jusqu'au six potards de contrôle cliquable pour la partie sélection. A savoir que les deux pistes de sample peuvent être actives en simultané et possèdent chacune 3 entrées CV, que vous voyez ici, afin d'aller encore plus loin dans la torture de vos échantillons. Le module bassline situé à côté est très complet et permet de faire une variété de sons aussi vaste que riche, allant des sonorités vombrissantes à acides, de gras à scintillant, de velu à subtil. A titre de comparaison, je le trouve bien plus poussé que le DB01. Il possède deux switches pour les VCF et Wave, 6 contrôles avec Tune, Sub, Détune, Cutoff, Résonance, FM Level, et 3 contrôles accompagnés de leurs entrées pour être pilotés en CV. Essentiel comme module dans un système comme celui-ci. Donc je vous fais écouter rapidement. Maintenant on passe sur le bass drum qui peut taper fort comme faire des kicks bien ronds. Il possède 6 contrôles en haut pour ajuster votre son et 3 contrôles CV avec leurs entrées juste en dessous. Il est franchement efficace, on est dans du 909 like et son intérêt est démultiplié lorsque vous le faites fonctionner avec le dual drive ou le dual FX. C'est que le pitch CV, je fais venir la sortie LFO de l'Implexus pour moduler directement sur le pitch.
Ensuite, le snare dispose de 4 contrôles principaux, toujours en haut, et 2 CV. Il remplit bien ses fonctions et dispose de 2 entrées tune et 10 quais CV qui permettent de pouvoir moduler l'instru. Donc à savoir que le tune CV est modulé directement par le modulator. À côté, c'est le module de Toms qui est composé de 3 parties, le low, le mid et le high. Chacun possède un potard de pitch et de decay, ainsi qu'un pitch CV pour la modulation. Et les 3 ont une tonalité différente, pratique pour les rythmes à consonance tribale et aussi pour ajouter des kicks lourds et profonds en passant par le module de l'overdrive. Pareil, le pitch CV, là je l'ai mis directement depuis la sortie LFO de l'Implexus. Là vous l'avez sans overdrive, avec l'overdrive. On va écouter le mid. Voilà à peu près sur les mêmes réglages ce que ça donne au niveau des différences. On entend que le mid est un petit peu plus aigu. Et maintenant le high. Le clap à côté est le plus petit des modules de l'appareil. Vous pouvez régler le tone et le decay, ainsi que le tone CV, qui permet quant à lui de créer de superbes claps longs et modulés. A titre d'exemple, je trouve bien meilleur que sur une Vermona DRM1 MK3. Sa plage de fréquence fonctionne dans une fourchette très large. Donc on écoute ça. Donc c'est encore un module que je module avec la sortie LFO de l'Implexus sur le tone CV. On passe maintenant sur les hi-hats, regroupant 2 instruments, comme souvent, les closed et open hats, avec un contrôle tune accompagné d'un tune CV, un decay pour chaque instrument, mais aussi un decay CV et un VCA shape.
Il dispose aussi d'un switch de loop pour les open hat. Et ce module est vraiment efficace car il sonne super bien. Il offre également une grande variété de sons, modulés ou non. Donc on écoute à nouveau. Donc là on est sur le open. Je trig sur l'entrée open hat trig. Là je module. Maintenant, je vais vous faire écouter le loop. Donc, on arrête. Là, il est sur off. Là, il est sur on. Vous entendez que ça fait un loop sur de la modulation. Là, c'est beaucoup plus sec. Là, en non modulé. Voilà la différence. Et maintenant, si je passe sur les closed hat, voilà ce que ça donne. Alors maintenant on passe sur le module cymbal, qui est un de ceux que je préfère, je m'en suis moi-même surpris d'ailleurs. Il vient parfaitement en complément du hi-hat et des claps, et permet des sonorités épatantes, surtout lorsque modulé. Alors comme le hat, il possède deux instruments, le crash cymbal et le ride cymbal, qui ont chacune leur switch de loop, ici et ici, et leur contrôle de decay, ici et ici. En dessous il y a également deux potards, tune CV et decay CV, mais aussi un contrôle select, que je qualifierais de magique, car il permet de donner des couleurs très différentes à chaque instrument. Donc je vous fais écouter ça aussi. Alors je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais vous voyez qu'il y a à chaque fois un petit voyant, une petite LED, qui vous indique lorsque le son sort de tel ou tel module. Et vous pouvez les trigger aussi avec les petites pastilles que vous voyez ici, ce sont des poussoirs. Donc là, on est sur la crash. Donc, si j'arrête. Ici, c'est sec. Ici, vous avez l'effet de loop derrière. Donc, on reprend. Donc le fameux bouton select. Alors vous avez compris, hein, j'adore moduler avec les tunes CV, les tones CV.
Allez, maintenant on va passer sur le ride cymbale. J'ai relié le decay de la ride cymbale via le modulator qui est juste à côté. Voilà, maintenant pour finir la rangée du haut, on passe sur le modulator. C'est le double LFO qui possède deux entrées synchro et deux sorties out chacun, paramétrables grâce au switch que vous voyez, le LFO 2 étant synchronisable sur le 1. Alors autant vous le dire, ce module n'est pas facile à bien prendre en main pour le live du fait de l'interaction entre les deux LFO avec le rise et le fall par-dessus tout. Mais il est vraiment super et complet pour moduler les sons du système. Voilà, le tout c'est d'y passer un petit peu de temps pour bien le comprendre. On passe maintenant sur la ligne du dessous, il y a le plus gros des modules et le centre de contrôle de tous les autres, c'est le drum séquenceur. Donc à savoir, c'est que là je passe par le K-Step Pro pour envoyer les trigs dans chaque module, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces câbles justement, étant donné qu'il est déjà pré-trigué de l'intérieur, et donc vous n'avez juste qu'à programmer votre séquenceur pour pouvoir faire vos lignes rythmiques comme vous le souhaitez. Donc je vais spoiler un peu, je ferai une vidéo spécialement sur le drum séquenceur où je vous expliquerai un petit peu toutes les fonctionnalités. Là on fait vraiment une overview, donc il est très complet avec pas mal d'options. Il possède 16 pistes au total et autant de sorties dédiées aux accents. Et il possède également 8 banques de 16 patterns. Il a également deux pistes LFO indépendantes ou synchronisées avec toutes les options qui vont bien, ainsi qu'une piste CV et une piste gate, différentes directions de lecture, un mode mute, un mode song, etc. Son écran permet d'avoir une bonne visualisation des informations et ses touches façon clavier numérique d'ordinateur sont super agréables au toucher et bien réactives. Il faut un petit temps pour le prendre bien en main, mais c'est du lourd une fois maîtrisé. On passe maintenant sur le Dual Drive que vous avez entendu tout à l'heure avec le module TOMS et qui, comme son nom l'indique, est composé de deux circuits overdrive qui possèdent chacun une commande de gain et de drive, juste en dessous, d'un limiteur de signal ainsi que deux commutateurs, ici et ici, proposant trois différents styles d'overdrive. Et j'ai envie de dire que c'est un module essentiel lorsque vous jouez techno, et ça tombe bien, ce système est fait pour ça. Ensuite, je passe sur le Dual FX, qui est aussi un des modules que j'apprécie beaucoup, car déjà il est composé de deux canaux FX, mais aussi car il dispose de 8 effets différents, avec pour chacun 3 contrôles de paramètres, qui ont chacun une action différente selon l'effet enclenché. Le petit plus intéressant, c'est que vous pouvez sauvegarder les positions de knob et les rappeler à tout moment. Pareil, je ferai une vidéo dédiée spécialement sur le Dual FX. Il y a aussi donc les trois mixeurs, donc le Light, qui est composé de 6 entrées mono, d'une sortie master et d'une auxiliaire, un mixeur ordinaire, composé de 7 entrées mono, muni d'un compresseur et d'une release, avec les deux sorties main out et auxiliaire, comme sur le Light. Et enfin un mixeur stéréo 4 entrées,
doté d'un pan et d'un switch pour router le signal selon trois configurations. L'intérêt d'avoir trois mixeurs sert avant tout à avoir suffisamment d'entrées, mais aussi à dissocier le mono du stéréo, ainsi qu'à catégoriser les instruments pour plus de clarté. Pour finir, il y a le link, ici, qui permet de relier le système à une console via ses sorties jack 6.3 et en atténuant les signaux Eurorack en signaux de niveau line. Vous l'aurez compris, le nombre de ramifications intermodules est donc impressionnant avec les entrées et sorties disponibles et il est possible de tailler les sonorités de manière chirurgicale. La présence du module d'effet et du sample drum, mais également de la bassline, joue un rôle capital, ils permettent de donner la profondeur et l'agrément de tout cet techno décapant qui se respecte. Au final, cette machine est un dance floor killer, d'une efficacité redoutable, autant pour le public averti que pour ceux qui souhaitent se lancer facilement dans le modulaire, en l'occurrence ici à vocation rythmique. C'est donc une réussite car nous avons là un produit ultra abouti qui permet de créer des sonorités rythmiques étendues à l'infini, qui surclasse de loin les traditionnelles boîtes à rythme, coucouche panier, analog rythme. Bon, un peu normal vous me direz. Alors oui, il faut débourser la coquette somme de 4 800 €. Mais n'oublions pas que tout ce qui touche au modulaire est un peu cher, mais vous avez un système qui s'auto-suffit, bien entendu dans un contexte techno, sans avoir à rajouter quoi que ce soit derrière, hormis une petite console et une paire de HP. Donc, comme vous l'avez compris, je suis ravi de pouvoir utiliser ce modulaire, c'est d'ailleurs la première fois que j'utilise un système comme celui-ci. Quand on a goûté à ça, difficile de revenir en arrière, car à mon humble avis, seul le Pulsar et peut-être aussi le futur Perkons ont des arguments à faire valoir, à condition bien sûr d'aimer le modulaire et de ne pas être accro à la touche Shift. Voilà, on se retrouve très vite pour quelques explications approfondies et des présentations de certains modules, et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. A bientôt sur Blue Noise. Tchuss !